Je m'appelle Sarah Guillaume, je suis professeure des écoles à Morzine et je suis directrice d'encadrement de l'académie musicale. Et j'ai sous ma responsabilité 6 animateurs pendant toute l'académie. La première semaine, les journées sont un peu plus routinières car elles se passent toutes au conservatoire. Mais après la construction du programme musical, les enfants peuvent aller se produire à Évian en petit groupe, en orchestre ou carrément le gros orchestre. Et pour cela, nous nous déplaçons dans Évian. Les enfants jouent un peu partout dans Évian, donc c'est sympa, la journée. Et bien sûr, il y aura des grands concerts à la fin de la semaine. Après, donc, ils peuvent avoir des pauses où là, nous sommes un peu plus importants, où nous leur organisons des jeux, des activités. Nous organisons des veillées. Cette année, le thème, c'est le cinéma. Donc, nous allons monter des scénarios. Et après les veillées, donc ça peut toucher un peu à tout, des jeux de présentation, des jeux sur la musique, des jeux de sport, etc. Bah, je pense que c'est un énorme brassage entre les âges, mais à chaque fois que je l'ai faite, il y a toujours une bonne ambiance, parce que les gens s'entraident, font de la musique toute la journée, puis en même temps, on pense aussi un peu à se détendre. Donc il y a des belles rencontres entre les enfants et aussi ils ont un bel objectif qui sont les concerts à la Grange au Lac et aussi en ville qui les motive pas mal je pense. Et puis c'est un programme assez diversifié donc ils ont orchestre, ils ont pupitre, ils ont aussi musique de chambre, des petits groupes. Alors je pense que les meilleurs moments de l'académie ce sont les moments de partage avec les enfants mais aussi les profs, tous ceux qui s'occupent de l'académie.